Bonjour, bienvenue sur la chaîne qui favorise le succès et le bien-être des élèves et étudiants. Cette vidéo s'inspire du livre « Living with a SEAL » de Jesse Itzler. SEAL est le surnom des commandos d'élite de la marine américaine. Dans tous les domaines, ce n'est généralement pas le talent qui sépare les meilleurs des autres. C'est la persévérance et la ténacité. Ces qualités leur permettent de faire plus, d'aller plus loin et d'endurer plus que ce que nous pensons généralement possible. Ce trait de caractère correspond parfaitement à la règle des 40%. Itzler décrit comment il a embauché un Navy SEAL pour venir vivre avec lui et sa famille pendant un mois pour leur enseigner les leçons de la force mentale. La règle des 40% est simple. Lorsque votre esprit vous dit que vous êtes au maximum, que vous êtes épuisé, que vous ne pouvez pas aller plus loin, en réalité, il vous reste encore 40% de carburant dans votre réservoir. L'esprit humain est une chose incroyable. La règle des 40% nous rappelle que peu importe à quel point nous sommes convaincus d'avoir tout donné, il est toujours possible de puiser dans une réserve inexploitée d'énergie, de motivation et de dynamisme que nous possédons tous. Je précise qu'avant toute activité physique intense, il est recommandé de consulter un médecin pour vérifier que votre état de santé est compatible avec l'effort physique et mental attendu. Croyez-moi sur parole, notre capacité à obtenir des résultats extraordinaires n'est pas définie par notre intelligence, notre charisme ou nos muscles, mais plutôt par notre état d'esprit. L'être humain est capable de bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Lorsque nous abandonnons dès les premières difficultés, nous passons à côté d'expériences riches et épanouissantes. Je vous encourage vivement à adopter la règle des 40% dans les études et la vie en général. Nous pouvons tous apprendre à creuser plus profondément et à nous pousser plus loin que nous n'aurions jamais cru possible. Ce qui se trouve de l'autre côté de l'effort en vaut vraiment la peine. Si vous trouvez cette vidéo utile, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Vous contribuez ainsi à faire que la vidéo soit recommandée à d'autres utilisateurs. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches, élèves, étudiants et parents d'élèves. Merci, à bientôt.